Osali oya simi bomo inanga Ipa inate mote mami ba imisu angeza kotala Osali likonzi ya bomo ya basantu Eki melo nanga osali nzela bipa inakota mbolaka Papa osali malamu mingi po nangai Ise kwa lia bae bakenda unelikia ya kose kwa Yerobi osa moninga nanga Elongeza na yo ebipa yo salindeza malamu Koro yo salinyonso ya motu ya Mobateli nanga ebipa inakona mote mananga Osali oyo mosusu asali teo Ilobali abomo ibipa inafanisa elikia Papa yosali malamu mingi mpona ngai Lise kwa lia bae bakenda ona elikia ya kose kwa Osali kimia pese ngonanga Bilembo ya boso mioyo mukilengo kiko pesa te Ipa inasuki ya mweza sukateo Bobia nonanga abisimba minayo mosungi na bato Osali nzambe ozana sukateo Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso nanguya ya liloba na yo Mokeli monene Zambe na biso uza kusala Ozali oyo afandi na mote manangai Pe asunga kangai Nakota na kembora yoe Ozali oyo atondi salikolo na se Na bonzambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali oyo afandi na mote manangai Pe asunga kangai Nakota na kembo na yoe Ozali oyo atondisa likolo na se Na bozambe na yo Omiso mikumisa yoe Ozali likonzi ya bomo ya basantu Eki melo nanga ozali nzela bipa inakota mbolaka Papa yozali malamu mingi mponangai Lise kwa lia bae bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali oyo mosusu ozali teo Nilo bali abomo ibipa inafandisa elikia Papa yozali malamu mingi mponangai Lise kwa lia bae bakenda ona elikia ya kose kwa Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na bae balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso nanguya ya liloba na yo Mokeli monene onzambe na biso uzako usala Ozali nzambe ozana suka teo Mosungi na bae balemba ope babungisa elikia Iyo simba nyoso nanguya ya liloba na yo Mokeli monene onzambe na biso uzako usala Sinanga zambe na bika mwa Ekklesia na biso Zambe nanga O papa nanga yo Zambe na bika mwa Ekklesia na O yesu nanga yo Mokonji nanga Zambe na bika mwa Lotomo na biso Zambe nanga yo Papa nanga yo Zambe na bika mwa Lotomo na biso Zambe nanga yo Mokonji nanga Zambe na bika mwa Ekklesia na biso Zambe nanga yo Papa nanga yo, zambe na bika mwa,
Iglesia nanga Yesu nanga yo Mokonji nanga Sambela bika mwa Lobela biso Sambela nanga O papa nanga yo Sambela bika mwa Lobela biso Kolo nanga yo Makonji langa zambela bita mwa Eklesia nabiso zambela gayo papa nanga yo zambela bita mwa Eklesia po Yesu nanga yo Mobiki sinanga zambe na bika mwa Bolingo na biso zambe nanga O papa nanga yo zambe na bika mwa Eklesia nanga Osali zambe kumama yawe ku Osali zambe kumama Yawe kumama Yesu bomanite kumama Yawe kolora ngajali zambe kumama Yawe kolani sekwana ngai kumama Yawe kumama Alleluia Alleluia, alle, 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 alleluia. Hosanna na Yahweh, 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 Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh, 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 Yama kanzi na ngaye, Yama lobeli na ngaye, Yesu li bana na talo, Yesu zambera pomoi. Ona tongo ya lelo yo O masusu ajalite Yone mopesi pema ye Yone zambe na bolingo Ya moto pamboli yowe Yesu zambe na bolingo Yesu zambe na bikamwa Yembo zana na yawe 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 Frère Mazarin, fais la prière pour la parole de Dieu. Dieu de gloire, le maître de l'univers, te disons un grand merci pour ces moments que tu viens de nous accorder. Seigneur, merci qu'on me déclare ta parole et que tout écriture est inspiré de toi est utile pour être enseigné, corrigé, afin que l'homme de Dieu soit amené à des œuvres bonnes et utiles. Seigneur, merci, puisque ce n'est pas enfin que toi tu parles. Seigneur, la Taliban et Israël, ces jours-là, n'ont pas de difficulté, n'ont pas de mots, ils avaient crié à toi et toi tu avais envoyé ta parole les avait guéri. Seigneur, de même, ton on a l'homme, nous voici devant toi. Tu es comme il en combo na yon zam, enfin on regarde comme il monisa. Seigneur, tu as le bébé, maintenant on a le 4 dans Isika, et ça, eux, bah, apporte encore 1 plus 4 pour moi, en abissou. Seigneur, tu as encore transformé, que l'on s'en mouise à les paroles na yon. Comme ça, maintenant, on a ce que les 4 na Isika. Seigneur, oh, on a désigné un zam, mais mon bon na yon, où ils allaient évangéliser les sambas pour nous laisser les bottes na yon. Zamé, maintenant, on va utiliser puissamment, à la simple instrument, où ils utilisent ton on a l'eau. Mon oncle, ils allaient aller, parce que maloba, ils allaient, eux, que tu es pas na yon. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es ton nom, le bosson, le col à ma belle, l'argile,
na maboko na na maître potier sonné façonné biso yeba ko pesa image ezali approprié pour na tina bomo ina biso to kangolama to bikisama au travers de ta parole et que Seigneur Dieu de gloire na bani ko soit autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces liens oye ko yaba vol de parole yaba distraction na jubo konjil ko na yango pe na précipiter envers les arrêts du Sahara dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ comme nous ekuma malgré la nuance. Ça le mettre pas excellent et régner dans 4 na oisika na kombo na yo le roi mon conjoint là tout monde le bon. Alléluia Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Amen. Amen. Gagnons du temps sans plus tarder. Dieu bon, il est merveilleux. Il est parmi nous. La Bible nous dit que il est hier, aujourd'hui et éternellement. Omniprésent, omniscient, omnipartout, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Par la grâce de Dieu, il nous a donné le souffle de vie. Par la grâce de Dieu, il nous a fait réunir en ces lieux juste pour écouter sa belle parole. Juste pour nous transformer, pour nous restaurer. Amen. Alors ce Dieu-là, le Dieu vivant, le Dieu créateur, aujourd'hui encore par sa grâce, il voulait nous parler à propos d'un homme de Dieu qui était vraiment humble, qui était sage. Cet homme, il était toujours à côté de ses parents. Il était toujours sous la tente, auprès de ses parents. Alors, que l'Esprit de Dieu puisse renouveler notre intelligence. Que l'Esprit de Dieu puisse nous parler afin que nous ayons la vie. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vie. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit à cet homme Jésus-Christ, il a la vie. Il a la vie éternelle. Et il ne manquera jamais dans sa vie. Durant toute sa vie ici-bas, il ne peut jamais manquer quelque chose. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Il est la source d'eau. Alors, mon thème est intitulé « Pourquoi m'as-tu trompé ?» C'est une question que cet homme a posée à son oncle. Donc je parle de cet homme, Jacob, celui qui était toujours sous la tente auprès de ses parents, celui qui obéissait à la voix ou aux voix de ses parents. Amen. Amen. Pendant que son frère Esaü, il était un homme chasseur, lui il collaborait très bien avec son père Isaïe. Mais cet homme, Jacob, il collaborait très bien, il parlait très bien avec sa maman. Amen. Alors, cet homme, selon la parole de Dieu, il était vraiment sage. Il était simple. Il était intelligent. Il était prudent. Il était un homme qui avait vraiment la connaissance à lui. Il était un homme qui raisonnait beaucoup. Comment moi, Jacob, je pouvais sortir dans la misère afin de recevoir quelque chose de bon. Amen.
Il était un homme qui avait arraché la bénédiction de son frère Ésaü. C'est pour cela que la Bible nous dit, soyons prudents, soyons vigilants. Pourquoi m'as-tu trompé? Lui qui était prudent, lui qui était sage, lui qui était intelligent, pourquoi il a osé de poser de telles questions auprès de son oncle? Amen. Celui qui est prudent, celui qui est sage, celui qui est intelligent, il ne peut jamais être trompé par le pauvre diable. Amen. Parce que l'intelligence est à lui. Dans la vie chrétienne, si nous avons l'intelligence à nous, le pauvre diable ne peut jamais nous tromper. Le pauvre diable ne peut jamais nous donner quelque chose de négativité. Amen. Alors, si nous disons que nous avons l'intelligence en nous, on est des sages, on a la connaissance en nous, mais à un moment, nous sommes trompés par l'intelligence de ce monde. Alors, posons-nous des questions. Comme cet homme, Jacob, avait posé cette question auprès de son oncle Laban. Le sous-thème est intitulé la distraction. On peut tromper que celui qui est distrait, amen. Dans la vie chrétienne, on peut tromper que celui qui ne voulait pas écouter la voix de Dieu, qui ne voulait pas mettre la parole de Dieu en pratique, qui ne voulait pas faire ce qui est la volonté du Seigneur. C'est celui-là que le pauvre diable va tromper. Mais celui qui est prudent, celui qui évite la distraction, il ne peut jamais être trompé. Il ne peut jamais se poser beaucoup de questions. Alors, au lieu de poser de telles questions au pauvre diable, on est le premier, comme cet homme Jacob, il était le premier de poser de telles questions négatives que je peux dire auprès de son oncle Laban. Amen. Or que son oncle n'était pas là pour le tromper, pour le faire troubler, pour le faire périr. Non. C'est pareil que dans la vie chrétienne. On est en présence de Dieu. Notre Seigneur, il est lent, collé et riche en beauté. Il ne peut jamais nous tromper. Il ne peut jamais nous faire du mal. Parce que la parole nous dit, nous sommes créés par l'image de Dieu. C'est lui qui a soufflé à nous. Si aujourd'hui nous sommes à vie, si aujourd'hui nous avons la connaissance, l'intelligence, la sagesse, les richesses divines à nous, c'est parce que ce Dieu-là est amour. Il est amoureux de nous. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 29, versets 15 à 27. Frère Mazarin. La Bible déclare. Puis ce dernier lui dit, parce que tu fais. Ok, merci. La Bible déclare. Puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de fille. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi
qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je vais m'unir à Aleu. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zulpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant le nez. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 ans nouvelle année. » Parole du Seigneur. Amen. Acclamons Dieu pour sa parole. Amen. La parole de Dieu est claire. Jacob terminera 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Amen. Amen. Laban n'était pas là pour faire du mal à son neveu Jacob. Amen. C'est lui qui avait proposé son neveu Jacob. Amen. Il pouvait bien lui faire travailler sans rien lui payer. Amen. Mais il lui a proposé lui-même de chercher par tous les moyens comment Laban pouvait lui payer. Amen. C'est pareil que dans la vie chrétienne. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous nous demeurons auprès du Seigneur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alors, ce n'est pas avec que nous sommes là. Dieu nous pose des questions. Au moment que nous sommes dans sa maison, à sa présence, comment nous allons lui servir? Comment sera notre salaire? Amen. Amen. Nous ne serons jamais, nous ne pouvons jamais rester auprès du Seigneur dans la maison de Dieu, immobile, sans rien faire. Dieu n'aime pas de goïdoï que je peux dire. Amen. Amen. Dieu voulait que nous tous, nous soyons en mouvement. Que nous tous, nous soyons mobiles et non immobiles. Alors, si nous venons dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, il faudrait que nous puissions faire quelque chose de bon. Il faudrait que nous puissions servir ce Dieu-là. Ce n'est pas à Dieu de nous poser des questions. On a besoin du sou. On a besoin d'avoir quelque chose. Ici en Europe, nous ne pouvons jamais rester comme ça, immobile, sans rien travailler. On est obligé de travailler pour avoir quelque chose et rien du tout. Pour envoyer quelque chose au pays, en Afrique. Amen. Ce n'est pas de rester immobile, mains croisées. Bras croisés, non. Faudrait que nous soyons en mouvement. Faudrait que nous soyons mobiles et non immobiles. De rester sur place sans rien faire. Comme je dis souvent, la pauvreté nous surprendra. Amen. Cet homme là-bas, quant à moi, il a bien fait auprès de son neveu Jacob. Jacob lui disait quoi? Parce que Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel.
Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et comme cet homme Jacob aimait déjà Rachel, il a proposé à son oncle de travailler son service juste pour avoir Rachel parce qu'elle était belle, plus que Léa. Amen. Rachel était belle. Jacob tombait amoureux de Rachel. C'est pour cela qu'il a proposé à son oncle de travailler 7 années pour Rachel et non pour Léa. On a bien lu la parole de Dieu. Je crois que nous avons compris la parole de Dieu. Amen. Alors après 7 ans de travail de Jacob auprès de son oncle là-bas, Jacob maintenant déclara à son oncle à peine de lui donner sa femme parce qu'il a déjà travaillé pendant 7 ans. Il a fait sa perfection. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour que cet homme Jacob puisse poser de telles questions négatives auprès de son oncle, lui qui a travaillé 7 années. Selon la parole de Dieu, il a bien travaillé.